Soyez tous impressionnés par la grande qualité d'émulation de la Retron 5. Quel magnifique effet de tremblement, n'est-ce pas? Ah, ça donne envie de jouer, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais enfin, bien le bonjour tout le monde, salut les gars, ici 69Zelos, bienvenue pour une nouvelle vidéo, un test rétro, où on continue le mois spécial The Legend of Zelda, avec aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, Zelda 2, The Adventure of Link, et son écran de tremblement, si j'ose dire. Je sais pas pourquoi ça fait ça, parce que pour tout vous dire, moi j'y ai joué à la base évidemment sur ma Nintendo Entertainment System, j'y ai joué sur ma NES à la base et il n'y avait pas ce problème là, il n'y a pas ce problème de tremblement et je ne sais pas, peut-être parce que je l'ai passé en 60 Hz. Parce que là, pour le coup, on joue sur un jeu PAL, mais on a la possibilité avec la Retron 5 de passer les jeux PAL en NTSC. Ce qui fait que du coup, bah, on joue de la même façon que jouaient les Japonais. Donc peut-être que c'est à cause de ça qu'il y a cet effet de tremblement, mais rassurez-vous, c'est pas trop dérangeant. Parce que dans le jeu, en tout cas, ça ne tremble pas comme ça. Voilà, c'est vraiment que à l'écran titre et à un ou deux endroits. Mais bon, Zelda 2, The Adventure of Link, sorti en 1987 au Japon sur Nintendo Entertainment System ou Famicom, ça c'est comme vous le voulez. Ce Zelda. Oh là là, ce Zelda. Pour tout vous dire, moi j'ai pas de véritable affection pour ce dernier. Le premier Zelda, comme je vous l'avais dit, je l'avais découvert quand j'étais minot, mais je n'y comprenais rien. Il a fallu attendre pas mal d'années pour que je puisse réussir à y jouer, ne serait-ce que correctement. Et ben, Zelda 2, c'est assez marrant, mais je l'ai découvert, véritablement découvert, en même temps que j'ai pu redécouvrir The Legend of Zelda, donc le premier du nom, et ceci grâce à la fameuse compilation qu'il y avait dans les jeux Mario Kart Double Dash, vous savez, on a déjà parlé dans la vidéo précédente, avec Zelda 1, Zelda 2, Ocarina of Time et Majora's Mask. Vu qu'il y avait Zelda 2, bah, j'ai pu y jouer, et là pour le coup, celui-là je ne le connaissais pas, je connaissais A Link to the Past, mais je ne connaissais pas du tout ce Zelda 2, et la douche a été ultra froide, mais c'est très spécial. C'est très spécial, on va déjà commencer, parce que s'il y a un truc que l'on peut dire, c'est que ce Zelda 2 est très différent, vraiment très différent. Mais après, c'est différent, mais c'est différent par rapport au premier opus, en fait. Parce qu'étant donné qu'il est sorti en 1987, c'est le deuxième de la série qui est sorti, quoi. Donc pour le coup, ça me fait un peu penser à Konami et leur Castlevania. Ils ont sorti le premier, puis ils en ont sorti un deuxième qui se base un petit peu sur les mêmes mécaniques, mais qui au final ajoute un style action RPG bien plus présent par rapport au premier qui n'en proposait pas du tout. The Legend of Zelda, le premier en tout cas, avait posé les bases du jeu d'action aventure sur console de salon. Et là, bah, Zelda 2 a changé globalement, du moins la façon de voir les jeux d'action-aventure. Alors, il y a des bonnes choses, il y a de très mauvaises choses également. Pour ma part, je sais que ce jeu est considéré pour beaucoup. En fait, c'est simple, ce Zelda 2, c'est soit... je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un petit écran noir sur ma télé, pardon. Ce Zelda 2, en fait, c'est simple, c'est soit c'est un jeu qui est adoré... Véritablement, c'est un jeu qui est véritablement adoré par beaucoup de gens, ou alors à l'extrême inverse, c'est un jeu qui est complètement haï. Et ben pour ma part, je le hais tout en l'adorant, parce que évidemment je suis un enculeur de mouche, donc je peux pas faire les choses comme les autres, mais non, mais c'est vrai que il y a pas mal de choses en fait que j'aime bien dans ce Zelda 2. Mais il y a beaucoup de trucs que je ne supporte pas. Enfin, beaucoup de trucs, pas vraiment. C'est pas vraiment beaucoup de trucs, c'est surtout un point, en fait. Donc, on va commencer directement. Et déjà, comme vous pouvez le voir, premier gros changement, on a un compteur de vie. Car oui, dans ce jeu, Link possède des vies. Ce qui, au final, n'est là que pour t'emmerder. Il n'y a strictement aucune raison d'avoir 3 vies dans un jeu comme ça, en fait. Faut se dire quand même que les The Legend of Zelda, les Zelda à cette époque-là, ce sont des jeux qui cassent véritablement avec la mécanique de jeu que l'on pouvait croiser à droite à gauche.
je veux dire, d'habitude, on a... Avoir des vies dans un jeu comme Mario, dans un jeu comme Contra, comme Double Dragon, j'ai envie de dire, ouais, pourquoi pas. Mais c'est vrai que avoir des vies dans un jeu comme ce The Legend of Zelda, enfin, comme ce Zelda 2, parce que dans le titre, c'est pas The Legend of Zelda 2, c'est juste Zelda 2, ben, pour le coup, c'est vrai que c'est assez, assez étonnant, assez surprenant. Et là, rien que là, quand on voit cette vue en... Comment dire, comment on peut appeler ça? C'est une vue de dessus, je sais bien, mais ça a un nom, je me souviens plus comment ça s'appelle. Enfin bon, bref, cette fois-ci, ça change radicalement. On a toujours une vue de dessus, certes, de Link qui se balade dans le monde, mais à l'inverse de Zelda 1, et ben là, comme vous pouvez le voir, là, ça se fait dans la continuité. C'est-à-dire, on a un véritable scrolling. On a un scrolling, genre... Pas automatique, c'est pas ça que je veux dire, parce que scrolling automatique, non, c'est pas du tout ça, mais... Je veux dire, on a un scrolling, en fait, qui suit le mouvement de notre personnage. Je veux dire, des choses qui étaient radicalement différentes par rapport à Zelda 1, où là, c'était surtout des panneaux qui se suivaient petit à petit. Et donc, du coup, c'est de cette façon que l'on va se balader dans le monde de ce Zelda 2. Donc, c'est le monde d'Hyrule, hein, évidemment. Petit topo sur le scénario. La princesse Zelda a été touchée par un puissant sortilège qui l'a plongée dans un sommeil profond. C'est là où est-ce qu'on était, en fait, au tout départ. Donc, c'était ici. Quand on se retrouve ici. Hop là. La personne qui dort ici, c'est tout simplement la princesse Zelda. Et il va falloir tout simplement récupérer les bouts de la Triforce pour pouvoir casser le sortilège. Et là, va être la grosse différence, c'est que Ganon, finalement, ne fait pas d'apparition dans ce Zelda 2, si ce n'est à l'écran de Game Over. Parce qu'évidemment, je vous l'ai dit, il y a un système de vie. Donc, qui dit système de vie, dit forcément bah, Game Over, quand on n'a plus de vie. Et c'est uniquement à ce moment-là, en fait, que l'on voit Ganon apparaître. Et du coup, c'est vrai que c'est assez bizarre. Quand t'as l'habitude de jouer à d'autres Zelda, je sais pas, comme Link to the Past, etc., etc., quand tu vois ça, c'est assez étrange. Ça s'inspire quand même pas mal des JRPG, comme Final Fantasy ou Dragon Quest, avec cette vue... Je crois que dans la notice du jeu, ils appellent ça une vue, une carte topographique. C'est le terme qui est utilisé dedans. Parce qu'apparemment, c'était quelque chose de nouveau. Donc les gars, ils ont ajouté ça. Ils ont ajouté ce terme dans la... Hop là, ils ont ajouté ce terme dans la notice. Donc c'est la vue topographique. Attention. Une des nouveautés, évidemment, de ce Zelda 2, c'est le système de level up. Le système de level up qui fait son apparition. Ça, c'est quelque chose que, bizarrement, j'ai bien aimé. Je trouve pas ça spécialement angoissant. En haut, à droite de l'écran, vous avez un compteur. Donc là, je suis à 52 sur 50. Le chiffre qui est à droite, c'est tout simplement le nombre de points d'expérience qu'il faut récupérer pour pouvoir passer au niveau d'après. Une fois qu'on a atteint, on a l'écran du level up qui apparaît, et on a le choix, soit de faire un level up directement, comme là par exemple, le prochain level up, ça concerne ma barre de vie. Donc pour le coup, si jamais je choisis, c'est le truc que je vais faire, voilà. Donc là, j'ai une barre de vie niveau 2. Je crois qu'il y a 8 niveaux maximum. Pour 3 catégories, donc la force, donc l'attaque, la magie et la vie. La magie qui fait sa première apparition également dans ce Zelda 2, et qui va être très utile, parce que pour le coup, ça va être véritablement très utilisé dans ce Zelda 2, la magie. Il va y avoir pas mal de sorts, de sortilèges à apprendre. Et là, en premier lieu, le but, en fait, c'est de trouver les 6 donjons, les 6 palais, qui sont disséminés un petit peu partout dans ce monde, traverser les donjons, battre le boss du donjon, pour au final déposer un cristal, et ainsi de suite, jusqu'au dernier palais qui va nous faire affronter le gros, entre guillemets, le gros méchant du jeu, qui n'est autre que Dark Link. Le boss final de ce Zelda 2, c'est la première apparition de Dark Link. Donc pour le coup, le truc, ce qu'on va devoir faire en premier lieu, c'est de rentrer dans cette caverne. Voilà. Et comme vous pouvez voir,
il fait très nuit. Il fait très nuit et il fait très sombre, parce que ça, pour le coup, ça fait également partie des... Pas de la subtilité, parce que ça existait déjà dans Zelda 1, mais c'est une subtilité qui a un petit peu été améliorée, si j'ose dire. Comme là, par exemple, je me retrouve dans un endroit, il va falloir défoncer des ennemis, c'est de cette façon qu'on, évidemment, qu'on combat... qu'on combat les ennemis. À chaque fois, vous avez un indicateur sur la world map, et il va falloir rentrer dedans, tout simplement. Et voici donc le premier palais. Alors, c'est le problème, c'est que, étant donné qu'on est en direct, là, j'essaye de réfléchir à ce que je dois vous dire, parce que il faut énormément de concentration pour jouer à ce jeu, véritablement. C'est, pour ma part, il fait partie des jeux les plus difficiles de la NES, mais pas dans le bon sens du terme. Pas dans le bon sens du terme. Castlevania 4, ou les Castlevania, Castlevania 1, ou même Castlevania 3, pour ma part, font partie des jeux difficilement acceptables, comme j'aime bien les appeler. C'est-à-dire, c'est des jeux qui possèdent un certain challenge, mais c'est pas un challenge débile. C'est-à-dire, la difficulté est en général assez élevée, mais à force de pratique... Aïe, tu vas tuer ce blob, oui. À force de pratique, on y arrivera. On y arrivera quand même, et même au final, on sera quand même très content. On sera très content d'y être arrivé. J'ai pas du tout la même approche en ce qui concerne ce Zelda 2. Zelda 2, pour ma part, il est dans la même catégorie que... c'est quoi? C'est Ghouls and Ghosts ou Ghosts and Goblins? L'opus sur NES. Je sais pas, c'est un des deux. Faudra que je revérifie, mais c'est un des deux. Mais l'opus de la série Ghosts and Goblins, putain, je vais y arriver. Mais c'est casse-couille, ces mecs qui pop à chaque fois, nom de Dieu. Je vais essayer de pas m'énerver, mais c'est très compliqué. Parce que pour tout vous dire, le premier Zelda, quand je vous ai fait une vidéo test, je l'ai reterminé. Et moi, j'ai 4 jeux Zelda à vous présenter durant ce mois de mars. Et je tenais à tous les terminer, les reterminer, avant de pouvoir vous en faire une vidéo test. Histoire que ce soit de nouveau frais dans mon esprit, vous voyez. Ce Zelda 2, je ne peux pas. Ce Zelda 2, au final, je ne peux pas. Parce que, bon, je l'ai déjà terminé, hein. Je l'ai déjà terminé une fois sur ma NES. Je l'ai déjà terminé une fois sur ma NES. J'y avais passé, je crois, une journée entière. J'en pouvais plus. À la fin de la journée, je peux dire que la clope que j'ai craquée, ah, je la savourais, mais quelque chose de ouf, hein. Je la savourais, mais véritablement. Ça faisait quand même plaisir, mais bon, la petite satisfaction personnelle, c'est comme quand j'avais terminé Megaman 1. Quand j'ai terminé Megaman 1, je peux dire que j'étais content, de façon legit, sur ma NES et tout le bordel. Tandis que là, Zelda 2, c'est non. Bah, pour ma part, c'est non, je n'ai plus... Étant donné que c'est juste un bonus, parce que je me souviens quand même très bien du jeu, j'ai pas spécialement besoin de le reterminer pour en faire un test, c'était comme ça, parce que j'avais envie de le refaire, c'est ce que j'ai fait avec Zelda 1. Bon, j'en ai chié un petit peu, mais mine de rien, j'y suis quand même arrivé, et pour le coup, c'était assez grisant et très sympathique, tout en étant assez compliqué, parce que Zelda 1 a quand même un gros challenge, et merde, salopard, je l'ai pas vu celui-là. Mais ce Zelda 2, c'est juste non. Ma patience est atteinte beaucoup plus rapidement avec ce Zelda 2, parce que c'est le truc qui m'agace... Putain, qu'est-ce que c'est chiant, ce frère marteau à la mort moelle-neu. Le souci avec ce Zelda 2, c'est que je trouve qu'il a des aspects dans sa difficulté qui, pour ma part, sont complètement connes. Mais complètement. Et c'est des trucs que je n'accepte pas. Bah, c'est tout ça. C'est à titre personnel, encore une fois. Je comprends parfaitement qu'il y ait des gens qui surkiffent ce jeu. Moi, ça m'énerve parce que j'aime bien le jeu en lui-même. C'est-à-dire me balader sur la world map, se balader de ville en ville, qui a été un nouvel ajout. Dans Zelda 1, il n'y avait pas de ville. Dans Zelda 1, il n'y avait pas de ville. Il y avait quelques PNJ qui étaient présents dans des grottes, dans des cavernes. Là, ce n'est pas le cas. Dans ce Zelda 2, t'as véritablement l'impression d'être dans un monde. Il y a des villes, il y a plusieurs régions qui sont bien plus...
comment dire, bien plus implémenté en fait. On a véritablement l'impression de se balader dans un monde avec ce Zelda 2. Donc pour le coup, je trouve que l'immersion est véritablement très bonne. L'immersion est très bonne dans ce Zelda 2. Mais ce qui m'embête, à titre personnel, et ce qui me rend dingue surtout, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est la difficulté, notamment avec ces ennemis de merde, comme vous pouvez le voir, ces putains de chevaliers qui sont complètement pétés et qui te demandent d'avoir un putain de... Putain, vous vous rendez compte à quel point je suis en train d'en chier ? Bordel ! Je vais me calmer, on va essayer de se calmer. Ces chevaliers me rendent fou. Et encore, cela, ça peut aller. Cela, ça peut aller, parce que... Comme dans pas mal... Alors attendez, parce que j'ai un truc qui s'est mis en marche, là. Coupe-moi ça. Comme dans pas mal de jeux qui sont présents sur Nintendo Entertainment System, ou même sur Mega Drive, ou sur d'autres consoles, le jeu utilise un système de swap color pour pouvoir différencier certains ennemis. Ce chevalier orange, là, il est disponible... Il est disponible, c'est pas comme si tu pouvais l'acheter, ou... enfin bref, vous m'avez compris. Ce chevalier orange, on va le voir en, je crois, 3 parties. Ouh putain, le 200 qui fait plaisir. Alors là, vous voyez, là j'ai la possibilité. Ça c'est la subtilité que je voulais vous montrer, et ça c'est un truc vraiment très cool, c'est qu'on peut, on peut choisir de ne pas augmenter de niveau pour l'instant. Par exemple, là, il me faut 150 points d'expérience pour pouvoir augmenter de level au niveau de ma vie. Si je veux, je peux tout simplement annuler, voilà, en cancel, parce que je savais que j'allais passer aux 200 points d'XP, ce qui va tout simplement me permettre d'augmenter mon attaque, donc ma force, hein, ça glitch un petit peu, ça me permet d'augmenter ma force à la place de ma vie. Donc ça c'est plutôt cool, le fait qu'on ait cette possibilité là, aïe, salaud. Le fait qu'on ait cette possibilité là, c'est vraiment cool, parce que c'est pas tous les jeux qui proposent ça. Ah, je n'ai pas... Si, j'ai des clés, si, c'est bon, donc hop là. Allez, ouvre la porte, lui, on va essayer de le déglinguer. Normalement, il est pas bien. Celui-là, à partir du moment où t'as réussi à atteindre le cac avec lui, ça va bien. Ça se passe, tu peux le gérer. Mais tu as des ennemis dans ce jeu. Mais qui sont tellement dégueulasses. Les chevaliers, par exemple, ça, c'est un truc que je ne supporte pas, parce que c'est typiquement... Hop là. Allez, c'est typiquement le genre d'ennemi qui, s'il veut t'emmerder... Il t'emmerdera. Déjà, c'est un truc qui est complètement affreux. Ah, et voilà. Déjà, c'est un truc qui est complètement affreux parce qu'ils ont un pattern complètement sale à apprendre. C'est-à-dire, ils attaquent en haut, ils attaquent en bas. C'est pour cela que j'ai beaucoup de mal à m'exprimer en jouant en direct à ce jeu. Parce que c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Il faut vraiment... être ultra concentré pour jouer à ce jeu et pas te faire surprendre par les attaques des ennemis, parce que c'est un truc de dingue. Et encore, là c'est gentil, là c'est un ennemi qui est gentil, mais quand tu te retrouves devant un ennemi qui est exactement comme lui mais qui te balance des objets que tu ne peux pas parer avec ton bouclier, ça, vous voyez, c'est ce que j'appelle de la difficulté stupide, c'est-à-dire des trucs que tu ne peux pas parer. Ça, c'est, pour ma part, c'est n'importe quoi. Surtout quand tu es devant un jeu qui t'oblige à aller au corps à corps devant ses ennemis pour pouvoir les toucher. Parce que comme vous avez pu le voir, quand on est full life, on balance un espèce de couteau, entre guillemets, enfin c'est pas un couteau, mais on balance un projectile magique, c'est quelque chose que l'on connaît, mais devant ses chevaliers et tous les autres ennemis du même style... ça n'a aucun effet, donc du coup on est obligé d'aller au corps à corps, et quand tu te retrouves au corps à corps devant un ennemi qui utilise un objet, enfin une arme que tu ne peux pas bloquer avec ton bouclier, eh ben bah, tu t'en prends plein la gueule comme un Reinhardt dans un gangbang de DPS. Je dis, c'est affolant. Et c'est en cela que je trouve que pour ma part ce jeu gâche tout son potentiel en fait. Ça pourrait véritablement être un vrai bon jeu. Sauf que non, moi je n'arrive pas à le considérer comme un bon jeu à cause de ça. Parce que la difficulté est stupide. Et pourtant, il a plein de qualités, comme je vous l'ai dit. Mais il a aussi ceci. Et ça fait partie des gros défauts qui ont fait que pour moi, je n'arriverai certainement pas à avoir de nouveau la patience de terminer ce Zelda 2
sans aucune save state. Vous avez pas compris ? On retourne au palais où Zelda est endormie à chaque fois que l'on a un game over. Qui a eu cette idée ? Qui a eu cette idée de connard, sachant que dans Zelda 1, je tiens à vous rappeler, quand vous crevez dans un donjon, vous réapparaissez à l'entrée du donjon. Alors vous êtes affaibli, certes, mais au moins vous êtes à l'entrée du donjon, quoi. Donc ça te donne envie un petit peu de tryhard. Sauf que là, ce n'est pas le cas. Et le pire, c'est que les développeurs sont complètement cons, excusez-moi du terme, parce que le dernier temple que tu dois faire dans ce Zelda 2, eh ben là, hop, comme par magie, si jamais tu meurs dans ce temple-là, eh ben tu réapparais à l'entrée du temple. Mais pourquoi pas l'avoir fait pour les autres ? Pourquoi pas l'avoir fait pour les autres ? C'est une erreur de game design, ça, c'est vraiment mal foutu. C'est sans déconner. C'est un gros problème pour ma part, parce que pour le coup, mais ça te bouffe ta patience, mais à une vitesse folle. Là, pour le coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller se balader dans une petite... dans une petite ville. Ah oui, évidemment, quand vous atteignez le game over, votre barre d'expérience revient à zéro. Des fois, il y a pas mal de petits, comme vous pouvez voir, de petits endroits comme ça que vous pourrez, hop là, fuck, que vous pourrez visiter. À certains moments, dans ces petites zones là, il va y avoir des objets à récupérer. Ici, il y a un espèce de sac à expérience, donc. C'est un petit sac avec marqué un P dessus, je sais pas, point, certainement. Mais il y a évidemment d'autres endroits de ce même style. Il y a des grottes, des petits carrés de forêt, comme vous pourrez le voir. Un cimetière gigantesque, hein, d'ailleurs. Hein, quand tu regardes par rapport à l'échelle du monde, quand tu vas au cimetière, t'es là, tu fais « Ouh, ah, il y a eu des morts hein. !»« Ouh, ya ya !» Il y a eu des morts. Un truc qui est vraiment sympa, c'est que, entre guillemets, enfin sympa, non, mais vous allez comprendre, dans ce monde de Zelda 2, le roi d'Hyrule est mort. Le roi d'Hyrule est mort, et le truc qui est cool, c'est qu'en fait, on peut visiter sa tombe. Et ça, c'est vraiment sympa. Mais après, enfin, ça ajoute au background, en fait, ça rajoute au lore. Mais du coup, bon, après, je pense qu'elle est juste là, à titre indicatif, si je puis dire. Parce que pour le coup, c'est un repère, en fait. La tombe du roi devient un repère. Donc, outre le fait de se balader sur cette map et de rentrer dans les palais pour pouvoir défoncer le gros boss à l'intérieur, on a évidemment les petites balades dans ces villes. Et ça, ça a été quand même, mine de rien, un gros ajout de Zelda 2, parce que, bah, comme je vous l'ai dit, ça ajoute grandement à l'immersion. On voit, il y a des PNJ qui se baladent, on peut discuter avec eux. Donc il y a cette madame... qu'est-ce qui se passe ? Hammer Spectacle Rock Death Mountain. Ah, bah ça, c'est une petite... Vous voyez, juste je parle à un PNJ, et en fait, ce PNJ me donne une indication. Parce que le hammer, donc c'est un marteau, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et le marteau, en fait, c'est un objet qui va nous être très utile pour pouvoir progresser par la suite. Et je peux vous dire que, étant donné qu'à chaque fois que vous crevez dans un donjon, vous réapparaissez au palais de Zelda, je peux vous dire que le marteau, il vous fait du bien, parce qu'il vous débloque un immense raccourci, mais un truc de ouf. Donc, c'est encore une fois, c'est une petite note comme ça. On se balade dans les villes, on parle aux PNJ. Alors, il y en a certains qui se transforment en ennemis, je comprends pas pourquoi. Mais bon, puis surtout les skins sont plutôt sympas, donc on a les dames, on a des vieilles femmes, on a le mec un petit peu bourru et barbu qui part bosser, on a des enfants, on a des chevaliers, on a des sorciers. C'est plutôt cool, véritablement, c'est immersif et c'est très appréciable. Après, il y a des PNJ inutiles comme cette personne, voilà, je vous dis juste bonjour, voilà, elle est très gentille. Et petite note au passage, regardez comment s'appelle la ville. On a Ruto, un petit clin d'œil, voilà. Un petit clin d'œil. Je crois qu'il y a plusieurs villes dans ce Zelda 2. Et en fait, les noms des villes, ça fait écho au nom des sages. Vous savez, dans Ocarina of Time, il y a la ville de Roru, il y a la ville de Ruto, il y a la ville de Saria. Il y en a une autre, alors c'est pas pour un sage cette fois, mais il y a la ville de Mido. Donc Mido, et le petit Kokiri qui nous cassait les couilles là. Mais enfin, quel est l'intérêt d'aller dans ces villes ? Donc,
déjà évidemment parler aux PNJ juste pour leur parler ou alors pour récupérer un petit peu d'informations, comme cette vieille dame là qui nous indique où se trouve le marteau, ou alors cette personne là qui fait des allers-retours devant, devant sa baraque. En fait, elle, son rôle, c'est tout simplement de nous restaurer notre vie. Je ne veux pas savoir ce que fait Link à l'intérieur de cette baraque, j'en ai rien à foutre. Cette vieille dame ici, qui a l'air un petit peu plus pâle que les autres, elle, son rôle, en revanche, ça va être de nous restaurer notre magie. Voilà, il n'y a pas d'auberge dans ce Zelda 2, c'est juste les habitants qui viennent nous aider. Bonjour madame. Désolé, je ne suis au courant de rien. Bon, parfait. On peut rentrer évidemment dans les... dans les maisons. Ça s'appelle une maison, Zelos. Oui, c'est une maison. Avec le fameux I am Error. C'est un truc, pour tout vous dire, ça c'est devenu un mème. Ça c'est devenu un mème, le machin, le I am Error. J'ai jamais compris pourquoi c'était un mème, en fait. Parce que les mecs, ils étaient là en mode, oh, ça doit être une erreur de traduction, tout le bordel. Oui, sauf que ce fameux mec-là, ben, il va être utile pour la suite. Il va être utile pour la suite, en fait, il va nous donner une certaine indication qui va nous permettre de déverrouiller l'accès, enfin de trouver l'accès, c'est même pas de le déverrouiller, c'est de trouver l'accès au troisième temple. D'accord ? Sauf que, bah, pour qu'il puisse nous dire cette indication, le mec il nous dit son nom, on va arriver dans une ville, on va croiser un PNJ, et le PNJ va nous dire, va parler à Error pour en savoir un petit peu plus sur la tombe du roi. Donc, Error, en fait, c'est son nom. Voilà, c'est son nom. Donc, du coup, je vois pas où est-ce qu'elle est, l'erreur de traduction. Il peut pas y avoir deux erreurs de traduction. Enfin, je sais pas, mais c'est devenu un mème, ce mec-là. Donc, dans chaque village, il va falloir faire gaffe également, parce que, comme vous pouvez le voir, des fois, il y a des villageois qui sortent de leur maison, comme ça. Et ben, en fait, ils ont un rôle. Voilà. Ils ont un rôle. Cette femme, par exemple, dit « Gorilla of Tantari », donc Gorilla, je ne sais pas ce que c'est, « nous a volé notre trophée ». Voilà, tout simplement. Donc cette dame a perdu son trophée, donc pour le coup, il va falloir le retrouver. Et dans toutes les villes, en fait, il y a une petite mission à effectuer comme ça. Et si je me souviens bien, le trophée se trouve en bas. Ça, c'est une petite astuce, si jamais vous n'avez pas envie de vous faire harceler par des ennemis, vous faites comme ça, c'est-à-dire, à chaque fois que vous allez marcher pendant un certain temps, si vous restez sur les routes, vous ne risquez rien. Si vous passez dans le désert, dans la forêt ou dans les plaines, là, par contre, vous vous faites attaquer. Mais si jamais vous êtes sur un carré de route avant de se faire harceler, et ben finalement, vous voyez, il n'y a pas de combat. Finalement, les combats ne se déclenchent pas. Mais franchement, je vous le déconseille. Je vous le déconseille grandement parce que, bah, comment dire, bah, vous avez besoin de cette expérience pour pouvoir progresser, véritablement. Même si ça, pour ma part, c'est d'ailleurs un petit défaut. Par exemple, notre barre de vie, pour moi, elle est confuse as hell. Elle est beaucoup trop confuse. Il n'y a pas assez d'indications. Autant avec les cœurs, c'était assez précis. Autant avec les cœurs, c'était assez précis, mais là, avec cette barre de vie, je dois vous avouer que je suis assez sceptique. Je suis assez sceptique parce que, encore, allez, pour la barre de vie, ça peut aller. Hop là. Pour la barre de vie, ça peut aller, à la limite. Mais pour la barre de magie, ce qui la rend complètement confus, c'est en fait... Hop là, oh bah je me suis gouré de... je croyais que j'avais pris la bonne grotte, mais non, j'ai pas pris la bonne grotte pour le coup. Bah, du coup on a chopé une upgrade de magie, et justement quand vous allez apprendre des sorts, les sorts vont vous coûter un certain, évidemment un certain nombre de points de magie. Le problème c'est qu'étant donné que nos points de magie sont symbolisés par une barre, bah, c'est assez confus quoi. C'est assez confus parce que tu regardes le truc... par exemple, le sort de bouclier, eh ben, ça va te demander de dépenser tant de points de magie. Donc, toi, t'es là, tu fais ok. Sauf que qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, ce que je vois, c'est une jauge. Vous voyez, c'est un petit peu con. On a l'indicateur de niveau d'attaque, donc le level 2. On a un bon petit feeling, on sent véritablement la progression, surtout quand on se bat contre certains ennemis. En général, c'est comme ça que tu vois la progression, ça reste assez, entre guillemets, classique. C'est-à-dire, tu vas te retrouver contre un chevalier,
Le chevalier, tu vas mettre, allez, tu vas mettre peut-être 7 coups pour pouvoir le défoncer au level 2. Enfin, au level 1, pardon. Et dès que tu vas... Et dès que tu vas passer ta force au level 2, eh ben là, c'est pas 7 coups dont tu auras besoin, ça va être 5. Vous voyez. Donc, il y a véritablement un sentiment, un bon sentiment de progression. Vous voyez, cette idée magnifique de permettre à l'ennemi de nous toucher alors qu'on était en train de récupérer un objet, ça c'est... vous voyez, ça c'est le genre de truc débile. Le genre de truc que je ne supporte pas. Donc vous avez pu le voir, les conteneurs de cœur sont toujours là, évidemment. Il n'y en a pas beaucoup hein, dans ce Zelda, je crois qu'il y en a... Je crois qu'il y en a 3. Je crois qu'il y en a 3 ou 4. Évidemment, jeu ultra difficile oblige, comme vous pouvez le voir, Link peut se faire blesser par des bulles. À croire que c'est une convention dans les jeux 8 bits. tu fais un jeu, le jeu il est difficile, d'accord, bah, un de tes ennemis ce sera des bulles. Fatalement, dans ce genre de jeu, tu pourras te faire tuer par des bulles. Enfin, il y a aussi ça, voilà, les magnifiques actions où tu es au bord de l'écran et il y a un obstacle ou un ennemi qui pop à cet endroit-là pour te la mettre profond, parce que j'ai pas d'autre expression qui me vient en tête. Mon dieu, mon dieu. Enfin, c'est ça qui me frustre avec ce jeu, c'est que j'ai vraiment envie de le considérer comme un véritable très bon jeu. Sauf que comme je vous ai dit, des fois, il y a la difficulté est juste exécrable à certains moments. Elle est vraiment dégueulasse. Vous pensez peut-être que je m'acharne pour rien. Mais non, non, ces ennemis, on peut les tuer. Hein. Ces saloperies, là. Hop là. Ces têtes de mort, on peut les tuer, mais faut juste un nombre de coups infini. Faut juste un nombre de coups infini pour pouvoir les... pour pouvoir les tuer, et au départ, c'est entre guillemets, si jamais vous voulez progresser rapidement, ça reste quand même intéressant d'essayer de les tuer, parce que ça vaut quand même 50 points d'expérience. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais étant donné que j'essaye, entre guillemets, de frapper la bouboule, parce que je vais arrêter, parce que là je suis en train de mourir, je me faisais toucher par les ennemis qui pop à l'infini, là. Bon, des ennemis qui pop à l'infini, on a déjà vu ça. Hein, c'est pas quelque chose de choquant, c'est pas quelque chose de fou. Sauf que, est-ce que vous avez remarqué que ces putains d'ennemis à la mort moelle-neux faisaient diminuer ma barre d'expérience? Oui, oui. Oui, oui. Ces ennemis à la mort moelle-neux, à chaque fois qu'ils te touchent, et il y en a pas mal de ce genre d'ennemis... Oh bah oui, c'est facile. Il y en a pas mal de ce genre d'ennemis, dès qu'ils te touchent, ta barre d'expérience... diminue. Qui a eu cette idée? Non, non, mais sans déconner, qui a eu cette idée? Parce que malheureusement, tes points d'expérience, tu vas en avoir besoin. Hein. Tu vas en avoir besoin de tes points d'expérience, évidemment. Ah, je me suis fait déglinguer. Donc, qui a eu cette idée de faire diminuer notre barre d'expérience à chaque fois qu'on se fait toucher par certains ennemis? C'est... Pour ma part, C'est non, c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée, déjà que le jeu est ultra compliqué. Oh putain, je suis tombé sur un chevalier bisu. Ah putain. Il faut... Limite, à chaque fois, faut que j'arrête de parler à chaque fois que je me retrouve devant un ennemi comme ça. Dans chaque palais, il y a un objet à récupérer qui va nous aider pour notre progression. Là, en l'occurrence, c'est la bougie. Évidemment, qui va nous permettre de pouvoir progresser... d'une façon bien meilleure, dans les grottes, dans les cavernes et tout ça. Dans le deuxième, oui, c'est un gant de force qui va nous permettre de briser certains rochers. Hop là, aïe. Dans le troisième, qu'est-ce que c'est? C'est un radeau. Là, on récupère un radeau, donc le radeau qui fait son retour dans ce Zelda 2. Donc, c'était un objet qui était déjà présent... Dans le premier Zelda. Donc ça, c'est ça le truc. Il reste encore pas mal de choses qui font écho. Qu'est-ce que c'est? La magie? Non, merci. Essayez d'attendre un petit peu. J'aimerais bien augmenter ma barre de vie. Alors, est-ce que lui, je peux le défoncer? Je crois que oui. Ah là, donc là, c'est parti.
Donc ça va durer un certain temps. Mais bon, c'est de cette façon en fait qu'on progresse dans le jeu. C'est-à-dire, vous vous baladez dans le monde, il y a le côté exploration est toujours présent. Donc ça fait vraiment plaisir, avec certains endroits qui sont un petit peu cachés à droite à gauche. Il y a des indications, évidemment, les PNJ nous indiquent à chaque fois, enfin, presque à chaque fois, ça c'est peut-être un petit peu un léger défaut, ça nous indique presque à chaque fois la marche à suivre pour pouvoir trouver telle ou telle chose. Comme un objet qui est caché, un objet de quête, voilà, tout simplement un objet de quête. Mais à certains moments, voilà, quand t'as une IA qui essaye de te défoncer, c'est jamais agréable. Et là, pour le coup, je vous l'ai dit, ce chevalier-là, c'est le moins pire. C'est le moins pire des chevaliers à affronter, parce que lui, évidemment, il est un petit peu moins résistant. Mais surtout, il ne fait que attaquer d'en haut et en bas. Quand vous vous retrouvez à devoir affronter un chevalier bleu, le chevalier bleu, lui, la particularité, c'est que les couteaux, là, comme vous avez pu le voir, il les lance. Sauf qu'il les lance en mode YOLO, c'est-à-dire il n'a pas de pattern véritablement précis. C'est-à-dire, à certains moments, il va t'envoyer un couteau en haut, puis un couteau en bas, etc. Et d'un coup, il va péter un câble, il va t'en envoyer deux en haut, un en bas, deux en haut. Mais genre, à la filée. Et toi, tu vas être en mode tu vas péter des câbles, tu vas t'énerver, et de toute façon, attendez-vous à péter des câbles, hein, si jamais vous jouez à ce jeu. Parce que c'est... Voilà, c'est encore une fois, il y a des trucs. Tu te dis, mais où est-ce que t'as vu que ça, c'était bon? Il y a un truc, notamment, qui est ultra frustrant, c'est le fait de ne pas pouvoir esquiver les projectiles correctement. Parce que évidemment, on va se retrouver devant des ennemis qui vont nous balancer certains objets. Comme je vous l'ai dit, la façon de battre les ennemis la plus utilisée dans ce jeu, c'est le corps à corps. Donc du coup, on est exposé. On est exposé au danger à chaque fois. Comme là, par exemple, je ne peux pas essayer de m'éloigner pour au final tenter une attaque. Ça ne sert à rien. Il faut que je reste au corps à corps pour pouvoir le toucher. Sauf que lui, bah, son attaque, elle est au corps à corps. Et le truc qui est relou, c'est que tu ne peux pas esquiver. Comme là, par exemple, il faut utiliser le bouclier tout le temps. Heureusement, le bouclier est en utilisation automatique. Et ça fait plaisir. Le problème, c'est que quand, par exemple, ce chevalier, quand il donne un coup vers le haut, si je me baisse, eh ben, je ne pourrai pas l'esquiver. Parce que ma hitbox est trop grosse. Je ne pourrai pas l'esquiver. Ce qui fait qu'on se prend des coups, et c'est pour ça que notre concentration doit être constante dans ce jeu. Notre concentration doit être constante, parce qu'il faut véritablement utiliser le bouclier. Il attaque en haut, il faut qu'on soit debout. Il attaque en bas, il faut qu'on soit baissé. À la moindre erreur d'inattention, tu te prends un coup, et ta vie peut partir à des endroits. Mais vous savez quoi, si jamais il n'y avait que ça, pourquoi pas? S'il n'y avait que ça, j'ai envie de dire pourquoi pas. Le problème, c'est quand tu te retrouves devant des ennemis qui te balancent des projectiles que tu ne peux pas parer, comme des haches dans la montagne de la mort. Tu te retrouves devant des espèces de monstres qui te balancent des haches, et les haches, tu ne peux pas les parer, bouclier en avant ou non. Non, je suis désolé, non, ça c'est pas logique. Il n'y a pas de logique là-dedans. Allez, on va essayer de se friter contre ce boss là, une espèce de chevalier à tête de cheval. Alors là, c'est assez compliqué parce qu'il faut un bon timing, il faut réussir à sauter et à frapper sa tête en même temps. On y go. Et... raté. Ouf. Fuck. Dégage. Allez, j'ai déjà presque plus de vie, c'est foutu. Voilà. Voilà, voilà. Bon, heureusement, quand on perd une vie, simplement, on se retrouve en face du boss. Je vais essayer de me concentrer un peu. Je vais monter un peu la musique pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. On se reprend un petit peu après. Si vous entendez un gros coup de poing, vous savez pourquoi. Et nique ta grand-mère, le cheval. Vous voyez, ça c'est un truc qui m'agace par exemple. La portée des ennemis, la plupart du temps, si ce n'est en grande majorité, est beaucoup plus grande que la vôtre. Que ce soit des ennemis de base ou les boss, comme vous pouvez le voir.
Et en gros, là, en fait, vous voyez pourquoi je ne supporte pas et pourquoi je n'ai pas envie de reterminer, de me reforcer pour terminer ce jeu. Parce qu'il y a trop de trucs que je considère comme injustes. Voilà. C'est-à-dire, il y a certaines choses, la portée des ennemis, les points de vie, leurs patterns, il y a certaines choses qui ne sont là uniquement que pour t'emmerder. Et ça, pour le coup, c'est une difficulté, mais que je déteste. Mais dans n'importe quel jeu. Dans n'importe quel jeu, c'est une difficulté que je déteste, ça. Parce que tu n'as pas à devoir en chier. Le fait que tu doives, entre guillemets, apprendre le pattern d'un ennemi, je veux dire, essayer de te surpasser, lire ses mouvements, je veux bien le comprendre. Mais par contre, que ça parte en mode YOLO et en mode full RNG dans un jeu comme celui-là, je vous cache pas que c'est ultra frustrant. Et ce qui ajoute encore plus à la frustration, évidemment, c'est le fait de devoir réapparaître à 300 km de là où tu es mort. Parce que là, vous avez vu, on se retape le petit chemin, mais là, c'est pas vraiment un long chemin que l'on doit se taper. C'est pas du tout un long chemin que l'on doit se taper. Mais quand tu as terminé le deuxième temple, que tu dois passer par la montagne de la mort pour pouvoir trouver le marteau, que la montagne de la mort c'est un véritable labyrinthe, pas trop difficile cela dit, on progresse quand même assez rapidement, mais il y a énormément de passages à faire avec des ennemis qui peuvent être mortels, quand t'as un game over à l'intérieur, que tu retournes au palais de Zelda, qu'il va falloir que tu repasses tout le tour, que tu repasses par exactement la même grotte, les mêmes villes, c'est infect. C'est véritablement infect, et pour ma part, c'est à cause de ça que... Je me répète, mais c'est à cause de ça que pour moi, Zelda 2, non, c'est pas un bon jeu. Alors c'est pas une bouse, parce qu'encore une fois, il y a de très bonnes choses qui sont dans ce jeu. Le système, le monde en lui-même, je le trouve véritablement très cool à parcourir. Les petites quêtes que l'on doit réaliser avec les PNJ, c'est véritablement sympa, ça aussi. Y a quoi d'autre? Bah, les villes, les PNJ, cette sensation d'être véritablement dans un monde encore plus poussé que dans Zelda 1, donc c'est vraiment cool. Le système de level up qui, en soi, n'est pas spécialement un truc de ouf, mais c'est pas dérangeant et c'est plutôt sympa, on s'y laisse prendre. Donc ça fait plaisir. Le truc qui est cool, c'est encore une fois, c'est le fait de choisir si on veut augmenter de niveau de suite ou alors si on veut garder notre expérience accumulée pour augmenter autre chose par la suite. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool et c'est vraiment sympa. Il y a plein de trucs que j'aime bien. Le gameplay, je vous dis qu'il est pas bien. C'est pas le gameplay qui est pas bien. Encore une fois, moi je trouve que c'est l'IA qui est codée comme une pute. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire, si elle veut te baiser, elle va te baiser. Les hitbox qui sont beaucoup trop généreuses pour les ennemis. Nous, on a une certaine allonge, mais les ennemis en ont une plus grande. Le fait qu'on soit d'un statut levé ou baissé, ça ne change rien. On se prendra des coups quand même. Donc, il y a une part de stratégie dans les combats qui est perdue. C'est ça que je reproche à ce Zelda, c'est qu'il a trop... il est trop difficile pour rien. Et c'est ça qui est ultra agaçant. Oh, tiens, j'ai gagné ça. J'ai de la chance. Hop là. On augmente de level. Merci, mon grand. Mais au-delà de ça, je sais que ce jeu, à la base, quand tu regardes ce qu'il te propose, tu te dis, mais sur le papier, oui, sur le papier, ça pourrait vraiment être un très bon jeu. Mais ce qui ruine le tout, c'est sa difficulté infecte. Sa difficulté infecte, ses problèmes de hitbox, c'est dommage quoi. C'est dommage, c'est ses ennemis qui sont mal pensés. Dans un jeu comme ça, quand t'as des ennemis que tu ne peux pas parer au cac, encore une fois, c'est véritablement très agaçant, très frustrant, et prends ça dans ta gueule, Link. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, moi, je vous le conseille quand même, si jamais vous faites partie de ceux qui n'ont pas pu découvrir ce jeu à l'époque, je vous le conseille quand même, ne serait-ce que pour votre culture, voilà, ne serait-ce que pour la culture vidéoludique. Mais voilà, armez-vous de patience, et là où moi, je suis d'un même à tenter de vous dire, jouez-y, essayez de le terminer sans save state, c'est le truc que j'ai fait, hein, j'ai réussi à le faire sur ma NES. Franchement,
finalement, je vous en voudrais pas. Si jamais vous terminez Zelda 2 avec des save states, bon, d'un côté, mon ego va quand même être un petit peu flatté, parce que, tu sais, moi, je l'ai fait sans, tu vois, donc, hop là, tu vois, c'est un petit problème d'ego, ça fait plaisir, mais... non, je déconne, hein, bien sûr. Mais franchement, voilà, quand tu vois ça, tu dis « punaise !» C'est quand même dingue. Vous voyez pourquoi je l'ai pas attaqué à ce moment-là, voilà. Ça, c'est des trucs qui sont assez infects aussi. C'est quand tu as des doubles attaques, comme ça. Tu peux être sûr de te prendre un coup gratuit, voilà, comme celui que je viens de prendre. Et ce qui est très chiant, parce que comme vous pouvez le voir, on peut pas se prendre autant de coups que les boss, nous. Ouf. Voilà. Terminé. Une fois que c'est fait, un petit peu d'expérience, on récupère la clé qui va nous permettre d'accéder à la fameuse pierre sacrée. On lâche le cristal. Une fois qu'on a remis un cristal à sa place, évidemment, on récupère toute notre vie, mais on passe également directement au niveau supérieur. Donc ça fait quand même plaisir. On sort du temple, et ainsi de suite, etc., etc. Vous remarquerez que là, le palais a été complètement détruit. En fait, il est détruit à partir du moment où vous avez tout fait à l'intérieur. C'est-à-dire, là, j'ai récupéré l'objet... J'ai récupéré l'objet qui était dispo à l'intérieur, donc la bougie, et j'ai tué le boss, et j'ai ramené le cristal. Donc du coup, je n'ai plus besoin d'aller là-dedans. Donc l'accès au palais a été verrouillé, si j'ose dire. Etc, etc. Donc du coup, bah, écoutez, moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous laisse là-dessus avec un petit peu de la musique Devil, qui est véritablement très cool. Je vous dis ciao à tous, à la semaine prochaine pour la suite de ce mois spécial The Legend of Zelda, c'était 69 Zelos, et bonne partie tout le monde, ciao bye bye! Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker et à la partager. Pour soutenir la chaîne et ne pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas non plus à vous abonner, et si c'est déjà fait, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui vous avertira dès qu'une vidéo pointera le bout de son nez. En attendant, je vous dis ciao à tous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était 69 Zelos, et bonne partie tout le monde, ciao bye bye.